Voilà ce que je craignais finalement arriver. Les gens qui étaient en train de me dire que je ne disais rien là, quand j'étais en train de dénoncer les gars qui partent dans des sous-quartiers du Cameroun pour faire des vidéos, pour venir narguer les Ivoiriens avec ça là. Voici quelqu'un qui prétend qu'il filme la Côte d'Ivoire. Il a été démasqué à cause d'un sachet de savon de lessive. Regardez. Pression sur vous la Côte d'Ivoire, partie 2. On est toujours en Côte d'Ivoire, c'est pas un enfer. Ne vous détrompez pas, on est toujours en Côte d'Ivoire. Poussière sur vous d'abord pour commencer. Vous-même, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Eh Dieu. Regardez, ça c'est le pont baoulé ici. Ça c'est le pont baoulé. La Côte d'Ivoire est sale comme le ventre d'Apoutou, dis donc. Pression sur vous la Côte d'Ivoire, partie 2. On est toujours en Côte d'Ivoire, c'est pas un enfer. Mais les caméras sont tellement bêtes que c'est incroyable, quoi. C'est pourquoi la blague. Vous avez vu? Et j'ai vérifié, le savon de lessive, c'est un produit camerounais fabriqué et commercialisé à Carrefour Cameroun. Vous voyez? Parce que là, maintenant, là, les Ivoiriens n'ont pas dit que c'est un sous-quartier. Ils vont dire que c'est Yaoundé. Alors qu'il est parti dans des endroits marécageux où les gens n'habitent même pas pour faire ses vidéos. Parce qu'il voulait insulter les Ivoiriens. Et quand je parle de ça, les gens viennent, tu ne dis rien. Oh, tu as retourné ta veste. C'est parce que vous êtes tellement bête. Et vous commencez à m'énerver. Il faut que je vous dise ça. Vous êtes très con. Pour réfléchir, il vous faut 2 jours. Et quand vous mettez même la vérité en face, vous êtes dans le déni. C'est la même espèce. Le gars là, c'est la même espèce que ceux qui partent faire des vidéos à Kobo Poussière là. Ils ne sont pas différents. Tu sais que tu es dans ton pays. Tu pars dans un sous-quartier. Tu pars filmer là-bas pour mentir que c'est le pays d'une autre personne. Comme ça, ils récupèrent les balles là. Ça veut dire qu'on va encore tirer sur vous. Et vous voulez qu'ils défendent le jazz, c'est comment? Vous voulez qu'ils défendent le jazz, c'est comment? Vous-même, dites-moi. C'est pas mieux que je ferme ma bouche et continue à faire mes vidéos, toi. Quand tu vas au combat avec des cons, tu vas mourir seul. Parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'il faut faire. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour flatter l'ego de certains Camerounais là, parce que ils ont toujours envie d'être convaincus, ils sont les meilleurs, ils sont au-dessus de tout. C'est pour flatter vos égos là qu'il est parti. Parce que s'il fait une vidéo simple là, est-ce que vous allez liker? Non? C'est pour ça. Débrouillez-vous avec elle, c'est pas mon problème.